n'est pas entré dedans. Ce ne sont pas les biens qui feront de toi quelqu'un, mais ce sont tes valeurs et tes principes. Je dis et je déclare, il y aura des pauvres, mais têtus en eux-mêmes, parce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Ils respecteront leurs principes, même si le coup, ça sera la mort de leur vie. Ils seront prêts à mourir pour ne pas s'effondrer dans la masse. J'évite de m'accommoder pour ne pas être assimilé. Qui a dit amen bien? Tape la main à quelqu'un, dit lui, j'évite de m'accommoder pour ne pas être assimilé. La première des choses, Daniel a fait cette démarcation. Ça lui a valu d'être 10 fois meilleur que les autres. Qui a dit amen bien? Deuxième chose, que Daniel avait ce que Joseph n'avait pas. Alléluia. Bon, peut-être que les deux avaient. Il était intègre dans toutes ses voies. Troisième chose, il voulait toujours comprendre les enjeux par rapport à la pensée de Dieu pour son peuple. Daniel ne fonctionnait pas pour lui-même. Il sentait la responsabilité sur ses épaules. Il vivait par rapport au calendrier de Dieu. Non par rapport à sa vie, mais par rapport au peuple. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu demeureras seulement pour toi, tu écouteras l'influence de ton nom. Tape la main à quelqu'un et dis-lui, si tu veux être dans tes limites, juste pour toi, ton nom n'aura pas un long feu dans le ciel.